Bonjour à tous, chers participants. Je me présente Anaïs Nguyen et je suis conseillère en développement des marchés internationaux à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Nous vous souhaitons la bienvenue à ce webinaire de la série sur la route de l'internationalisation avec Investissement Québec International qui porte aujourd'hui sur comment vraiment profiter des accords commerciaux avec l'Asie. Donc, permettez-moi d'abord de remercier nos partenaires en commençant par Investissement Québec International, ainsi que Développement économique Canada pour les régions du Québec pour son soutien à l'ensemble de nos activités en commerce international. Avant de commencer le webinaire, j'aimerais rapidement vous rappeler que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la box de Q&A en bas de votre écran ou questions-réponses. Vous avez également le chat qui est disponible si vous avez des questions ou tout simplement si vous avez besoin de soutien technique. Donc, ce webinaire sera modéré par mes collègues d'Investissement Québec International, Marie-Michèle Brien, conseillère experte exportation et internationalisation Japon-Corée du Sud, ainsi que Daniel Zignard, conseiller expert exportation Inde et Asie du Sud-Est. Marie-Michèle, Daniel, c'est à vous. Oui, bonjour à tous et à toutes. À mon tour de vous souhaiter ce matin la bienvenue à ce webinaire portant sur les accords commerciaux avec l'Asie. Je me présente Daniel Dignard pour les marchés de l'Inde, de l'Asie du Sud-Est et de l'Australie. Je suis avec ma collègue Marie-Michèle Brien pour le Japon et la Corée du Sud. Avant de commencer, quelques mots sur Investissement Québec International, nos services et nos équipes en Asie. IQ, Investissement Québec International, fait partie intégrante d'Investissement Québec, une société d'État vouée au développement économique du Québec et qui offre différents services aux entreprises de tous les secteurs. La société offre du financement, des services conseils et de l'accompagnement technologique, entre autres avec le Centre de recherche industrielle du Québec. L'équipe Asie est répartie dans le réseau à travers le monde, mais aussi à Montréal. Au niveau des marchés asiatiques, nous sommes une équipe de 12 personnes à Montréal et nous travaillons dans 9 grands secteurs prioritaires. On parle de l'aéronautique, du commerce de détail, la construction, l'énergie, les industries créatrices, le métal, les mines, la santé, les technologies de la santé. Le secteur des technologies en tant que tel avec l'intelligence artificielle et le transport. Nous travaillons aussi de concert avec une équipe de 25 personnes qui sont réparties dans 7 bureaux du Québec en Asie. J'en profite pour vous annoncer que nous venons tout juste d'ouvrir à Melbourne, en Australie, avec une personne, évidemment, pour soutenir les entreprises qui souhaitent développer ce marché. Nos services ils vont du conseil stratégique jusqu'à l'action très ciblée sur le terrain. Nos équipes génèrent de l'information sur les occasions d'affaires, les cultures d'affaires, la concurrence, les modèles d'entrée, et cela dans la majeure partie des marchés asiatiques. Il va sans dire que la région de l'Asie-Pacifique et de l'Océanie est en soi très diversifiée. Nos équipes sont aussi reconnues pour le service de recherche de contacts d'affaires et l'organisation de rencontres B2B. Nous offrons aussi un soutien aux entreprises qui souhaitent s'implanter de façon permanente en Asie, avec notre réseau de partenaires et d'experts locaux. Évidemment, nous accompagnons aussi les plus grandes entreprises dans leurs projets, entre autres dans leur démarche auprès des gouvernements et des grands donneurs d'or. Je veux aussi vous mentionner que le travail se fait avec plusieurs autres organisations en Asie et au Québec, dont les délégués commerciaux du Canada. Alors, évidemment, les marchés en Asie peuvent être exigeants, mais nous vous invitons à nous contacter pour toute forme d'assistance. Sur ce, je laisse maintenant la parole à ma collègue, Madame Marie-Michèle Briand. Bonjour tout le monde. À mon tour, de vous remercier d'être en si grand nombre ce matin pour participer à ce webinaire sur les accords commerciaux, du Canada avec l'Asie. Donc, l'objectif premier est aujourd'hui d'amener les entreprises québécoises à mieux réaliser l'importance de ces accords ainsi qu'à mieux utiliser les outils à leur disposition.
On parle évidemment de l'accord de partenariat transpacifique global et progressiste, le PTPGP, qui est en vigueur depuis 2019, qui inclut 10 marchés, dont le Japon, l'Australie, Singapour et le Vietnam en Asie. On parle aussi de l'accord de libre-échange entre le Canada et la Corée du Sud, l'ALEC, qui est en vigueur depuis 2015. Ces deux accords procurent un accord privilégié à un espace qui compte plus de 550 millions de consommateurs et qui représente annuellement pour le Québec près de 5,5 milliards de dollars canadiens d'exportation. Ces accords veillent entre autres à éliminer les tarifs sur la quasi-totalité des produits québécois exportés, qui peuvent aller de 3 à 38 selon les secteurs. Les accords comportent aussi plusieurs autres avantages, notamment en matière d'admission temporaire du personnel canadien dans ces pays, en matière d'accès au marché public. Et à terme, on parle du niveau de renforcement du climat d'affaires dans les pays concernés. Au cours du webinaire, nous aurons le plaisir d'entendre un expert chevronné en logistique qui abordera les principaux aspects de réglementation douanière reliés aux accords avec l'Asie. Nous aborderons entre autres la question des règles d'origine. Vous aurez aussi l'occasion d'assister vers la fin de ce webinaire, un panel d'entrepreneurs qui partageront leur appréciation de ces accords, et ce, à la lumière de leur expérience d'affaires en Asie. Rien de mieux pour apprécier les obstacles commerciaux que de demander aux entrepreneurs directement. Pour la première partie de ce webinaire, nous avons aussi cru bon inviter une experte en politique commerciale pour témoigner des tendances actuelles en Asie. Il va sans dire que la demande récente par la Chine pour adhérer au partenariat transpacifique soulève des questionnements intéressants pour nos entreprises et nos organisations. Nous remercions à l'avance notre conférencière de se rendre disponible puisqu'elle est basée à Singapour, mais elle est présentement à Seattle. Donc, c'est un peu moins pire pour elle. Il est juste très, très tôt ce matin. Nous allons toutefois commencer ce webinaire par une présentation de Affaires mondiales Canada, de façon à faire un état de la situation sur les accords en cours entre le Canada et la région de l'Asie-Pacifique et de l'Océanie. Nous avons donc le plaisir de vous présenter Mme Geneviève Goujon, qui est directrice adjointe au sein de la division de la mobilisation du service des délégués commerciaux du Canada, qui est chargée de faire la promotion des accords de libre-échange. Son équipe travaille en particulier à offrir de la formation et de renforcer les capacités des délégués commerciaux à travers le monde, tout en développant des outils qui aident les exportateurs canadiens à tirer parti des accords. Madame Goujon, la parole est à vous. Est-ce qu'on me voit bien? Oui. Ça va, vous m'entendez? Oui. Merci. Donc, je vais vous demander de changer les acétates. Comme vous l'avez dit, bien, premièrement, je suis contente d'être avec vous. C'est une période où on n'est pas complètement, Affaires mondiales Canada, on n'est pas complètement retourné, on n'est pas complètement en situation normale, si je peux dire. On attend le 30 septembre dans deux jours. Donc aujourd'hui, je vais partager des informations factuelles avec vous. Je voulais vous dire que toute question reliée aux négociations ou à la position du Canada pourrait faire l'objet d'une présentation subséquente là, avec nos gens qui s'occupent de la négociation des accords. Par contre, vous avez d'excellentes ressources aujourd'hui, comme Déborah, qui est une de nos partenaires en Asie, entre autres, avec nos ambassades et qui connaît les tenants et aboutissants. Aujourd'hui, je vais prendre les quelques minutes pour reviser avec vous quelques concepts clés des accords de libre-échange. Et je voudrais vous dire en partant, je vois qu'il y a des représentants d'associations, de ministères, d'autres organismes sans but lucratif aussi. Un des rôles qu'on a à Affaires mondiales Canada, c'est de travailler de concert avec les provinces et les organisations sans but lucratif pour que de plus en plus de PME, entre autres, puissent comprendre et prendre avantage des accords. Donc aujourd'hui, c'est un survol, mais si vous avez l'intention, l'intérêt de refaire d'autres présentations ou de la formation aux entreprises, restez en contact avec moi, on pourra faire quelque chose de ciblé, peut-être sectoriel ou plus poussé. Prochaine acétate. Donc, les accords de libre-échange, bon, on en a ratifié 15, qui donnent un accès préférentiel à 1,5 milliard de consommateurs potentiels et il y a 49 pays impliqués. Le récent accord de continuité du commerce entre le Canada et le Royaume-Uni, comme vous savez, le Royaume-Uni est sorti de l'accord CETA. Il n'est pas inclus dans le nombre total d'accords de libre-échange, car il n'est pas encore en vigueur, mais il est inclus dans le nombre de marchés, par contre, parce que le Canada maintient quand même un accès préférentiel pour ses produits au Royaume-Uni avec un accord. C'est juste qu'il n'est pas encore
en vigueur officiellement. Donc, les grands principes, puis là, ils ont été mentionnés, mais c'est des principes, les grands principes des accords de libre-échange, bien, le principe de la non-discrimination, hein, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on s'assure que les entreprises canadiennes sont traitées de la même manière qu'une entreprise nationale lorsqu'elle opère sur un marché étranger. Le principe de transparence, c'est de s'assurer que les règles d'accès, l'exploitation dans un marché de libre-échange sont accessibles au public. Idéalement en anglais ou en français, ce n'est pas toujours facile avec l'Asie, mais au moins transparente et accessible. Prévisible, donc ça vous permet, vous aussi, vos délégués commerciaux, vos custom brokers, j'ai oublié le terme en français, les gens qui s'occupent des douanes sont au courant des règles. Et l'accès préférentiel, bien là, vous allez voir, on va l'expliquer, c'est une question de tarifs préférentiels. Prochaine acétate. Donc, les PME représentent plus de 90 % des entreprises canadiennes et près de 90 % de tous les emplois du secteur privé au Canada. Mais seulement, d'après nos dernières statistiques, 2019, là, j'attends la confirmation des 2020, 11 % des PME canadiennes font affaire sur le marché mondial. Les accords de libre-échange pour le Canada, aide les exportateurs à se diversifier. Un récent sondage d'Affaires mondiales Canada avec 500 entreprises, 500 PME, nous a indiqué que plusieurs PME, j'aime bien dire, ne savent pas ce qu'elles ne savent pas, dans le sens que c'est un sondage qui date, il y a une enquête qui date il y a 2 ans. Je l'avais partagée d'ailleurs avec les gens du ministère du Commerce au Québec. Et il y a beaucoup de PME qui ne savent pas, par exemple, que les accords de libre-échange peuvent aider au niveau de l'exportation des services. Il y a beaucoup d'aspects qui sont moins connus, par exemple pour le CPTPP. Donc, il y a encore un travail à faire, autant pour nous, le fédéral, que le provincial et les associations sectorielles, parce qu'en bout de ligne, comment une entreprise prend avantage des accords de libre-échange, il y a des étapes, c'est complexe, puis Christian va vous en parler. Il y a un savoir-faire. Et puis, souvent, moi, je parlais à des entrepreneurs, ils me disent, Geneviève, on est 4-5 dans mon entreprise, j'ai pas le temps, des fois, d'essayer de comprendre les règles, surtout les règles d'origine. Prochaine étape. Donc, les accords de libre-échange ont des avantages pour le commerce de marchandises, l'exportation de services, l'investissement, l'entrée temporaire des gens d'affaires, comme il a été mentionné, puis l'accès au marché public, qui sont les appels d'offres des gouvernements du nouveau public, qui varient de provincial, national à parfois municipal. Donc, prochaine acétate. Donc, les accords de libre-échange réduisent pour le commerce de marchandises, l'exportation de marchandises. On va focusser sur l'exportation aujourd'hui et non l'importation, qui fait partie de mon mandat. Donc, les accords de libre-échange réduisent ou éliminent les tarifs sur les produits admissibles. Pour le CPTPP ou le PTPGP, pratiquement tous les produits canadiens pourront entrer en franchise de droit lorsque les accords sont mis en œuvre. Même pour le CUSMA, pour la CEUM avec les États-Unis, qu'on a récemment ratifié, 99% des lignes tarifaires sont en franchise de droit. Ça veut dire que les tarifs ont été éliminés. Par contre, c'est important de comprendre qu'il y a pour certains produits, il existe un contingent tarifaire, c'est-à-dire qu'il y a quand même des limites parfois à ce que vous pouvez exporter ou importer pour certains produits qui sont en franchise de droit. Donc, je vous dirais que votre meilleur ami aujourd'hui, c'est le site infotarif.ca. Probablement que vous, la plupart d'entre vous le connaissez déjà. Mais comme vous savez, l'Organisation mondiale des douanes garantit que toutes les marchandises échangées dans le monde sont classées via un système harmonisé, donc c'est le code SH
HS, qui classe toutes les marchandises. Donc, jusqu'à présent, seulement les 6 premiers chiffres sont identiques ou harmonisés dans le monde, mais chaque pays va ajouter des chiffres différents après les 6 premiers. Okay? Donc, si vous avez, ça va jusqu'à 8, 9. Là. Donc, si vous connaissez déjà les codes HS de vos pays, de votre produit pour les États-Unis, il y a une forte chance que le code de votre produit soit différent pour, disons, le Japon ou l'Union européenne. Donc, vous pouvez trouver le code du produit en visitant l'outil de recherche Infotarif et vous pouvez faire des recherches par mots-clés. Vous pouvez même rentrer « saumon », par exemple, puis vous allez voir la panoplie de types de saumon. Là, c'est un exemple. Donc, pour les étapes, puis je vais y aller rapidement, mais c'est ce genre de formation-là que je voulais dire qu'on pourrait faire avec des entreprises en collaboration. Donc, déterminer le tarif. Donc, une fois que vous avez votre code, allez voir sur Infotarif. Est-ce que vous voulez supporter, par exemple, au Japon ou en Allemagne? Et là, vous allez voir le tarif du produit. Donc, vous allez voir le code de l'OMC qui était avant la négociation de l'accord. Dans certains cas, ça va 12, 16 % et avec l'accord, donc CPTPP ou CETA, vous allez voir quel est votre taux tarifaire maintenant. Et où ça devient complexe, c'est l'étape 3, c'est déterminer votre produit s'il est conforme aux règles d'origine. Les règles d'origine, c'est ce que Christian va parler tout à l'heure. Les règles d'origine déterminent si un bien est originaire. Par conséquent, c'est éligible à la préférence tarifaire. Donc, ils décrivent la production qui doit avoir lieu au Canada ou dans les pays partenaires de l'accord pour qu'un bien puisse bénéficier d'un traitement tarifaire préférentiel. Donc, pour pouvoir réclamer votre tarif qui était à 0 à 1 % versus le tarif de l'OMC, il faut vraiment faire la preuve de la règle d'origine. Et ça devient complexe parfois pour des biens comme prenons un manteau où la fermeture éclair vient de quelque part, le design vient d'un autre endroit, le tissu vient d'un autre endroit. Il faut avoir du support de spécialistes dans ce cas-là ou savoir lire les accords de libre-échange. Il y a plusieurs sites, puis je vais vous l'envoyer dans toutes les ressources après, où vous pouvez après aussi obtenir une évaluation d'avance. Donc, par exemple, pour vos produits, vous pouvez avoir le Advanced Ruling. Vous pouvez soit à chaque fois que vous exportez faire une évaluation de la règle d'origine ou l'obtenir d'avance. Et il y a certaines conditions, puis je vais laisser M. Sivière en parler. Et ensuite, c'est votre importateur qui va réclamer le taux tarifaire. Donc, c'est vraiment l'importateur qui doit faire cette étape-là. Donc, moi, on vous conseille toujours d'aller chercher, si vous exportez, vous prévoyez exporter régulièrement les mêmes produits, de faire vraiment l'exercice de la règle d'origine et puis d'aller chercher une évaluation au préalable. Donc, ça varie. Il y a différents. Pour l'Europe, c'est plus simple, c'est centralisé. Pour l'Asie, il y a des sites pour chaque bureau de douane pour des pays membres. Pour le Japon, c'est un différent site, la Malaisie, la Nouvelle-Zélande. Encore une fois, Mme Helm et Christian Sivière sont plus experts que moi là-dessus. L'exportation de services, prochaine à cette étape. On oublie souvent que l'exportation des services est aussi impactée par les accords de libre-échange. Et là, encore une fois, ça vaut la peine de s'asseoir avec peut-être un spécialiste ou un délégué commercial parce que, en fait, c'est de passer à travers les termes de l'accord pour voir c'est plus transparent maintenant pour des services financiers, d'assurance, la construction, pour soumissionner pour un contrat dans un pays étranger. Il y a des environnements réglementaires maintenant qui sont publiés et c'est pour ça qu'on dit que c'est plus transparent qu'avant, dans la langue, en anglais entre autres et en français. Et il y a des garanties aussi dans les accords de non-discrimination. Donc, je pense que avant, penser à ouvrir, je vais vous donner un exemple, une clinique chiropractique ou un bureau d'architecte ou exporter, offrir ses services au Japon ou à Singapour dans ce domaine-là semblait beaucoup plus complexe que maintenant où c'est beaucoup plus clair. Donc, je vais m'arrêter là. Je ne peux pas aller plus que ça dans les détails, le temps qui m'est imparti. Prochaine acétate.
La mobilité des gens d'affaires. Donc, maintenant, c'est beaucoup plus facile pour les gens d'affaires d'aller temporairement dans le pays où vous voulez exporter sous l'accord de libre-échange, parce que rien remplace d'être là sur place. Donc, par contre, l'exigence liée à l'immigration comme un besoin de visa ou une preuve de licence s'applique toujours, mais il y a moins d'obstacles au fait d'envoyer temporairement des gens d'affaires qui ont des travailleurs spécialisés dans le cas d'un projet d'exportation ou d'installation. Encore une fois, il y a des règles par accord, mais on parle maintenant, les catégories sont claires avec des listes de métiers, par exemple. Donc, il faut vraiment, comme je vous disais, aller chercher de l'aide pour savoir, voir si le type de personnel spécialisé que vous l'envoyez est permis. Prochaine acétate. Je pense ici, c'est un grand oublié des aspects des accords de libre-échange. Les marchés publics, donc les appels d'offres publics auxquels vous pouvez soumissionner. Écoutez, en ce moment, on travaille sur l'Europe. Beaucoup ces temps-ci, je regardais la base de données de l'Europe. Il y a énormément de plus de 1000 par jour appels des appels de projets auxquels les entreprises peuvent soumissionner. Pour l'Europe, c'est centralisé. C'est un site TED dont l'adresse est là. Pour les pays d'Asie, par contre, c'est sous l'accord du CPTPP. Ce sont des sites individuels. Ça vaut la peine d'aller voir les appels d'offres qui peuvent être en construction, fourniture de bureaux, achats, contrats gouvernementaux, en fait. Donc, ça crée des nouvelles opportunités pour vous. Prochaine acétate. Pardon. Juste un rappel encore pourquoi le marché de l'Asie est intéressant. Bien, le CPTPP ou PTPGP en français, c'est un accord de libre-échange entre le Canada et 10 autres pays de la région du Pacifique. L'Australie, le Brunei, le Chili, le Japon, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, Pérou, Singapour, Vietnam. Une fois pleinement mis en œuvre, c'est 11 pays qui forment un bloc commercial de 495 millions de consommateurs potentiels. Le 30 décembre 2018, le CPTPP est entré en vigueur parmi 6 pays qui ont ratifié: Canada, Australie, Japon, Mexique, Nouvelle-Zélande et Singapour. Et en janvier 2019, le CPTPP est entré en vigueur au Vietnam. Et récemment, tout récemment, le 19 septembre actuellement, le Pérou est entré en vigueur. Ce qui veut dire que l'accès au Pérou est facilité. Ce qui reste, Madame Helms pour en parler, ça reste toujours, il y a toujours des difficultés, c'est pas uniformisé, je vous dirais. Il y a des enjeux, entre autres, que nous, on a des fois avec le Vietnam pour l'accès aux données. La rapidité avec laquelle chacun de ces pays-là adhère aux normes d'information est variante. Et le Canada, avec ses partenaires dans ses réunions bilatérales, discute de ces enjeux-là. Le Royaume-Uni, la Chine et Taïwan ont exprimé des volontés de faire partie du CPTPP, puis on travaille avec d'autres membres du CPTPP pour évaluer les candidatures potentielles. Prochaine acétate. Je suis toujours dans le temps, Daniel, oui. C'est juste un petit rappel de l'impact du CPTPP. C'est certain que le commerce de marchandises entre le Canada et les membres du CPTPP a cru. Il y a eu 7,3% d'augmentation d'exportation du Canada vers les pays membres, à l'exclusion du Mexique et du Vietnam. Mais ce qu'on a remarqué aussi, c'est juste pour vous montrer qu'on suit ça de près. Mais les exportations canadiennes de produits de bœuf, en tout cas au Japon, les produits d'agroalimentaire au Japon, on voit une tendance depuis quelques années avec un intérêt, une croissance accrue de l'importation des produits agroalimentaires. C'est vraiment il y a vraiment des opportunités à ce niveau-là. Prochaine acétate.
Donc, juste encore le CPTPP, CPTPGP, bon, un résumé d'accès au marché public. Donc, cet accord-là, c'est un accès au marché public. Libéralisation des services, élimination des droits de douane ou réduction, procédures douanières simplifiées, amélioration de la mobilité de la main-d'œuvre. Donc, oui, le CPTPP a tous ces composantes-là. C'est des exemples ici des tarifs éliminés sous le CPTPP. Il y a aussi, le CPTPP a été le premier accord de libre-échange à aborder de manière substantielle les restrictions sur le transfert frontalier d'informations, les exigences de la localisation des installations informatiques et des exigences d'accès au code source des logiciels. Ce sont des mesures qui augmentent la transparence puis réduisent les risques pour les entreprises canadiennes. Il y a aussi des règles sur la protection des renseignements personnels qui ont été établies dans le cadre du CPTPP. Donc, encore une fois, pour ça, pour les règles, la protection des renseignements personnels, si vous faites du commerce d'information, il y a les lois sur la protection de vie privée et chaque pays, en fait, a diffusé ses règles dans le cadre de l'accord. Comme je vous dis, des fois, ça mériterait une heure par sujet. Je voulais juste vous donner un exemple de ce que j'essaie d'illustrer tantôt. Disons qu'on a une compagnie, vous êtes producteur de feuilles d'aluminium, OK? Je vais revenir à une compagnie qui exporte des biens. Je vais vous montrer les étapes ici, un peu comme un export journey. Producteur de feuilles d'aluminium à Bécancour, ils souhaitent étendre leurs activités à partir des États-Unis jusqu'à l'Australie puis la Nouvelle-Zélande via l'accord de libre-échange CPTPP. L'entreprise utilise une combinaison d'intrants provenant du Canada et du Mexique et se demande quels sont les avantages. Donc, l'accord a réduit ou éliminé la plupart des droits de douane sur ces marchandises. Donc, pour savoir si les produits de l'entreprise bénéficient d'un tarif réduit, elle doit d'abord déterminer le code SH, comme je vous ai dit, sur Infotarif, pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande, parce que c'est là où elle veut exporter. Elle doit vérifier la préférence, donc le code SH, quel est-il? Après, quelle est ta préférence tarifaire pour exporter en Australie et en Nouvelle-Zélande? Et s'assurer que les marchandises répondent aux règles d'origine. Puisque certains intrants proviennent du Mexique, il va falloir aussi vérifier cet aspect-là. Le Mexique fait partie de l'accord, OK? Donc, ça, c'est un aspect intéressant. Comprenez? C'est que dans un accord, si vos biens sont produits en partie par d'autres pays, d'autres États qui font partie de l'accord, c'est avantageux. Pour obtenir une plus grande certitude sur la manière dont les douanes australiennes ou néo-zélandaises traiteront les produits, l'entreprise peut demander une décision anticipée. Ce que je vous disais tantôt, ça peut être intéressant d'obtenir des décisions anticipées qui sont valides 3 ans. Juste rapidement, on commence à manquer de temps, si on peut. Parfait, j'ai terminé. Okay. Je termine. Prochaine acétate, on va passer plus vite. C'était juste un bref aperçu de l'accord pour la Corée. Prochaine acétate, je vais passer par-dessus celle-ci, elle va être envoyée. C'était juste pour parler de l'accord de la Corée. Je vais finir avec ressources et outils, juste pour vous dire qu'on va vous envoyer tout ça par courriel après. Mais vous dire aussi que les délégués commerciaux de Affaires mondiales Canada et de Agriculture Canada ont accès à un outil de recherche spécialisé qui s'appelle Recherche de potentiel de marché. Et si vous les contactez, vous leur donnez votre code HS, on peut déterminer en fonction de plusieurs variables le potentiel de votre produit en fonction des réductions tarifaires, mais aussi de l'intérêt de ce produit-là, donc des tendances d'importation de votre produit. Ça s'appelle recherche de potentiel de marché, c'est par les délégués commerciaux. Donc, je vais finir là-dessus. Merci de votre temps. Merci, Mme Goujon. Désolée pour le manque de temps. Là. Je pense que ça va, c'est moi. Ça aurait été intéressant d'en apprendre, de survoler aussi l'accord de libre-échange entre le Canada et la Corée. Mais comme vous avez mentionné, la présentation va être disponible par la suite. Je laisse maintenant la parole à mon collègue Daniel Dignard pour introduire la prochaine conférencière. Oui, merci Marie-Michel, merci Mme Goujon. Bon, dans cette partie du webinaire, nous avons cru bon inviter une experte
une analyse commentateur qui est basée à Singapour pour discuter des tendances actuelles en matière de politique commerciale, Mme Deborah Helms, et la fondatrice et directrice générale du think tank Asian Trade Center. Je vais maintenant passer en anglais pour l'introduire et animer cette discussion. I'm going to switch to English to introduce Dr. Deborah Helms. She's the founder and executive director of the Asian Trade Center in Singapore, who has provided consulting on numerous trade issues to many government and companies, so to design better trade policy in the Asia-Pacific regions. Dr. Helms sits on a few international advisory committees about trade policies and law. She was involved in projects related to the Trans-Pacific Partnership negotiation, to the Regional Comprehensive Economic Partnership, to the ASEAN Economic Community and their global value chain. She is actually publishing the Talking Trade blog. Thank you again, Mrs. Helms, for making yourself available from Seattle. And so my first question, I guess, will be just to complement what Genevieve just talked about, is about the preliminary findings on the impact of the Trans-Pacific Agreement. As of today, it remains difficult to assess the CPTPP positive impact on trade and investment flows. What we know for now, seven members have quickly ratified the deal in 2019. Four other members took some time now to bring the deal into office. But more importantly, every country suffered supply chain disruption to the COVID-19. So what could be your preliminary findings about the CPTPP? Thank you very much. I'm delighted to be here, and I apologize for not speaking French. You're right that it's very difficult to say early on. I mean, it's relatively early in CPTPP life to assess the impact of this agreement. It's always hard to unravel the impact of any given trade agreement on trade flows, but it's particularly hard to do so for CPTPP because, as you mentioned, only a year after we entered into force, we started getting COVID impact. And so that has led to so many disruptions that it's very hard to pin down exactly where the benefits have been. But I would say, as an example, early figures showed clear signs of increased trade between Canada and Vietnam as a result of CPTPP. I think we will see significant new shifts towards CPTPP as we discuss new members joining, because there's sort of two parts to a trade agreement. There's the actual benefits that a firm gets from the agreement, and some of those were just mentioned: tariff cuts, services, and investment rules that get changed, faster processing at customs. So there's some direct impacts, and firms that are aware, that are listening to webinars like this one and paying attention, can get substantial economic benefits, direct bottom line benefits from using an FTA. But there's a second group of firms that don't necessarily use the agreement, as in they don't apply for a certificate of origin, they don't know what the tariff benefits might be, but they're aware that there's something happening and that there are new market opportunities they may not have explored. And so you get a lot of firms who will start using an agreement even without formally using an agreement. In other words, they will say, oh, I know there's something interesting happening between Canada and Japan as a result of CPTPP, or now between potentially Canada and the UK, or Canada and China or Taiwan, because of the discussions they've been hearing. They say, oh, maybe there's some benefits for me. I'm just going to start thinking about these markets, even though the UK, China, and Taiwan are just at the moment discussing joining the agreement. So you see two parts: those that can actually benefit and those that are thinking about benefits and taking advantage of them early. And I think that the statistics, if we could unravel the COVID impact, would show both of those things making a difference right now. Yeah, good point. Thank you. We will certainly talk a little bit later on about China, but first, let me ask you about the UK application. 2021 was the time when the CPTPP members start to talk about the United Kingdom possible accession. Obviously, the UK participation may give the agreement a boost in terms of scope. Canada is unlikely to win additional access to the UK market because we enjoy already
an agreement with the UK, a transition agreement, that the, which is called the post-Brexit agreement. But what could be at this point your assessment of the United Kingdom possible accession to the Trans-Pacific Partnership? So I would say that even if you have an existing agreement between two parties, CPTPP still can provide benefits. So if you say, well, actually, there's not a whole lot for Canada from UK accession, I would say that's not really true. It may be the case for some firms that there are limited new benefits because they only engage in certain practices that are bilateral in nature. So, you know, you grow wheat and you sell that to the UK. Okay, there's no other inputs that come into this, and that might be quite straightforward. But if you're making cookies or biscuits or some other thing that uses the wheat, and so you've got additional ingredients, additional processing, it may be the case that actually UK and the CPTPP is much easier for Canadian exporters to use or for Canadian importers to receive better benefits from the UK, because you can pool, basically, to make this simple, you can pool together inputs, whether that's raw materials or ingredients or parts or components or services inputs from across the member countries and get better benefits. Because it can be very hard to use a bilateral or two-party agreement. It's much easier to use a regional deal. So even though you may have an existing commitment with the UK, I think TPP benefits will end up being beneficial to both sides, both the UK and the Canadians, as well as the rest of the group. So anytime that you add a large economy, and the UK on its own, I mean, we can argue about statistics, they will tell you that they're the fifth largest economy. Anytime you add an economy of that size to an agreement, it's better. Mm-hmm. And it's certainly better than having, I would say, better than having a bilateral. So there will be benefits coming for Canadian companies into the UK and for Canadian importers who are trying to get goods and services, investments, et cetera, from the UK. Thank you. That's an interesting point. I think we should talk about China and the future of regional agreements. That means first that the Trans-Pacific Agreement has been overshadowed last year by the Chinese initiative to create another regional bloc, the Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement, which is larger in size with 15 countries. But more importantly, last week, as we all know, China made the decision to formally apply to the Trans-Pacific group of countries. Such a China accession can be complicated for many countries. Most experts say that Chinese authority cannot process the necessary major reforms to be in line with the Trans-Pacific obligation, including the state-owned enterprises, tariff elimination, other trade restrictions, government procurement rules. I know it's not an easy question, but how do you see the Chinese accession to the Trans-Pacific Agreement as a possibility in the short to medium term to see? So there's at least two parts to this. The first part is, can China meet the existing rules on the economic side? And I would say, yes, they can. Will it be easy? In some areas, a little less easy. But look, if China can join the WTO, the World Trade Organization, that involves significant structural reforms inside of China. It unleashed tremendous economic growth, as we all know. And so having done that once in relatively recent memory, I think they can certainly meet the CPTPP rules should they decide to do so and should they be prepared to do so. I think that they are likely to be able to do so on the economic side. But of course, there's also politics and security that get sort of wrapped up in these things. That will be challenging. And certainly from Canada's perspective, adding in China is a political or a strategic challenge, I think, even more than an economic one, because you have all of this sort of comes together when you discuss Chinese accession to the CPTPP. But on an economic front, and I know there's still disagreement about this, but I do think that China can meet the standards of the CPTPP. Will they follow the letter and the spirit of every single rule in the almost 600-page rule book? Maybe, maybe not. But I have to say, show me a country that's in the CPTPP that has done so. Because all of them, to be honest, are slight sinners in some way. Like they've signed onto these rules.
they're trying to follow them. I'm not saying that they're not trying to follow them. I'm saying that it's very hard to keep track right now of every country's commitments on every, again, it's about 600 pages of rules and thousands of pages of schedules. To keep track of all of that can be challenging. And I suspect if we were serious and we looked at every member and the commitments, including Canada, we might find gaps. We might find areas where, although they said they do this, they haven't yet done it, or they're in the process of doing so. And so I think China would be no different. I mean, they would have these commitments. They might take advantage of certain flexibilities in some areas, if particularly on the digital rules, which is, I think, the hardest one for China. But there's a lot of flexibilities in the agreement. And so, you know, yes, they can follow it because they can take advantage of those exceptions. It will be contentious. It will take a while, I think, to negotiate some of this, but the Chinese are ready. I mean, they've been spending more than a year at very detailed levels going through what is it we'd have to do? Where are the gaps that we have? What are we going to be asked to do? What are we going to ask others? Mm-hmm. What kind of questions are we going to ask others? So I think they're very ready. It's the politics and security part that I think is going to become more challenging with Chinese application than it was with, you know, certainly the UK, where that was not on the table, really. Good point. Well, thank you. I know it's very frustrating. We don't have enough time to go over all those issues. And I invite everybody to go over your commentaries that we can find on YouTube, some of them on your trade blog as well. But for now, we will take a few questions. I think question that can be addressed also to Geneviève Goujon. Do we have some questions here? I think maybe one question about this: the last four countries to put in force those agreements. Especially the Trans-Pacific Agreement. How do you see that coming? They are not the major market or major countries, but how do you see that coming? Maybe a question for you, Deborah. Well, Peru just joined. So those of you who are in Canada who are interested in the Peruvian market should be aware that on September 19th, Peru became a formal participating member of the CPTPP. They were an original signatory. It took them a long time to get the approval domestically to come into CPTPP, but you can now access Peru using CPTPP. So we're down to just three members who are, I'm going to describe them as missing in action, which is Brunei, Chile, and Malaysia. Now, what's happened in those? Unclear still on Brunei. I mean, they're ASEAN chair this year. They're very busy, but eventually they have to get it together. The Chileans were like 2 seconds from ratifying the CPTPP when their government collapsed. And they've had rotating government challenges since then. And so they're very close, but it's not a priority right now of this constantly changing political landscape. So hopefully Chile gets it together soon. I suspect that they will, because again, they were on the third reading in parliament, I think, which means that, you know, again, literally like a few hours from being done before the government collapsed. And for Malaysia, you know, it's been a challenge because they've similarly had a lot of political upheaval in Malaysia. And trying to get CPTPP done has been difficult, but they are working very hard to ratify RCEP, the other big regional agreement. And the ratification of RCEP needs to happen by November 1st in order for the agreement to start on January 1st. And so there's a renewed enthusiasm in Malaysia, I think, for ratifying CPTPP at the same time. Having done one, why not do both? So we may pick up potentially all three of the sort of missing countries in pretty short order, especially because they want to be part of these accession discussions. They want to be a formal part of these accession discussions. They want to be able to say, what happens with China or Taiwan or any other country like Korea that comes forward. So I think there's an incentive again for them to finally get the job done and have CPTPP active in all of the original 11. Thank you. We have one more question about the impact of FDI, foreign direct investment flows, since the entry in force of CPTPP.
Do you think China FDI practices would be a major issue if China is going to join the agreement in the future? I don't know if you both can comment on that. Maybe Deborah, you just start discussing about that. Mm-hmm. Yeah, it's a good question, actually. You know, I think why do you want an FTA in the first place? The key reason is that it reduces risk and it increases certainty. And so I think the advantage of having China in the TPP for investment purposes is that China then has to follow the investment rules that are in the agreement. And those are much more clear, consistent, much more open. So there'd be a lot more, you know, you have to basically, the default is you open up all investment sectors, unless you're specific about which ones are going to be restricted. And that list is very small in CPTPP. So for inbound investment into China should be significantly better because you're going to be following rules that are consistent, et cetera, with more access, fewer restrictions. For Chinese outbound investment, I think in some ways the same thing applies, which is that now they're covered by similar kinds of rules and then they're a bit more constrained in their behavior. I think it's actually a net win. The one challenge we might have, and I'll just flag this here for those of you who are trade nerds, is that we have a investor-state dispute settlement mechanism built into the CPTPP. So this is a mechanism if you have a dispute about, and not like you've lost money as an investor, it's about whether the government can expropriate or seize your assets without fair compensation. So those are the two parts of this. And if the government does so, they just seize your assets and they, you know, give you a dollar or they whatever, say go away, then you're allowed as an investor to sue. Now that is in the CPTPP, but we have had, especially because of New Zealand, some separate commitments to carve that out. And so I suspect this will get very interesting in the accession process over whether or not the investor dispute settlement mechanism applies to Chinese or Taiwanese or UK, but especially Chinese investments, or whether they agree to carve that out. And I think that's going to be a very fraught discussion for a bunch of negotiators who will have to try to think through, not just what it means economically, of course, but also the politics around that. So I think that could get very interesting. But the bottom line for me is, again, if you have rules that are clear and consistent, I think that has to be better, and it certainly has to be better for investment. Good point. Je pense que c'est un peu ça qu'on essaie d'expliquer. C'est le concept de la transparence puis de la constance aussi. Mm-hmm. Tout à fait. Merci. Maybe one last question. Some people mentioned that at times of the pandemics, we see that e-commerce has been developing quite well. Countries like Japan and Singapore has export more and more to other countries, countries part of the CPTPP. Any comments about what you may have seen in terms of e-commerce developing within the agreement? Sure. You know, digital is really a big part of the future. And so what the CPTPP has done, which I think really, you know, hats off and kudos to the officials, is that it has set a number of rules in place that make a big difference, crucially around data or information flows, because you can't do e-commerce of any kind, goods or services, if you can't move information across borders. So CPTPP handles that, but it does other things that I think really facilitate e-commerce. So when you drop tariffs to zero, that really helps companies, especially small firms that are engaged in e-commerce, because they don't have to deal with customs issues. They don't have to find tariffs. They don't have to deal with paperwork. They can simply export at zero tariffs in many of these cases. So I think that's very, very helpful. There's a whole lot in the TPP that deals with customs and trade facilitation to move things faster. Even the parts in the agreement that you say, well, that doesn't sound like it has anything to do with e-commerce, like the intellectual property rights rules, can make a big difference for firms, because it means, for example, if you want to sell something like, you know, a candle on e-commerce, that you can protect your candle, including the smell of the candle, which is,
something super, if you're a candle producer, of course, you live and die on the smell of your candle. And so to be able to protect that actually makes a big difference. And that's one of the products that is frequently traded on e-commerce channels. So I think it's not just the digital e-commerce rules, but it's the whole agreement and the fact that it's comprehensive that makes a big difference in driving e-commerce and digital trade. And I think that's, you know, again, good news for people who are in the CPTPP, firms that are in the CPTPP, and consumers who want to buy from CPTPP member countries, because the net result is you end up with more trade opportunities. Puis aussi, c'est que les règles, les parties se sont engagées à maintenir les lois sur la protection des consommateurs. Donc, ça donne un cadre juridique qui protège les informations personnelles des utilisateurs du commerce électronique. Bon point, oui. OK, ben, il me reste à vous remercier. Well, thank you very much, Deborah, for this interesting discussion. Deborah Helms from the Asia Trade Center. Merci beaucoup, Geneviève Boujon d'Affaires mondiales Canada, pour votre présentation et les discussions. Je cède la parole à ma collègue, Marie-Michèle Briand. Thank you. Merci. Au revoir, Deborah. Merci. Donc, je vais maintenant introduire notre prochain conférencier, M. Christian Civière, qui est président de Solimpex. M. Civière possède plus de 30 ans d'expérience en logistique internationale. Il a démarré son entreprise Solimpex en mai 2010 et offre des services de consultation et de formation en import-export aux entreprises souhaitant se développer à l'international, notamment sur les aspects réglementaires, douaniers et logistiques, les accords de libre-échange et autres sujets connexes. M. Civière nous parlera des bonnes pratiques en bref pour profiter des accords commerciaux. Donc, Christian, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Marie-Michèle. Donc, j'espère que tout le monde m'entend bien et voit bien mon média positif. Donc, un grand merci à Investissement Québec International et à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain de m'avoir invité à participer à cette session. Bravo à Debra et à Geneviève pour leur présentation forte, intéressante. Je n'ai pas besoin donc de me présenter puisque Marie-Michèle l'a fait brièvement. On a quelques minutes de retard sur l'horaire, donc on va essayer d'accélérer tout en restant quand même pas passant le temps nécessaire pour expliquer les différents principes dont on veut parler. Donc, Geneviève a commencé à parler des règles d'origine, donc ce qui était excellent, c'était une introduction excellente. Merci beaucoup pour ça. Donc, les règles d'origine, ça ressemble à ça, donc c'est très simple en fait si on est un spécialiste. Par contre, si on n'est pas un spécialiste de ces questions-là, eh bien, c'est un petit peu complexe, vous allez être d'accord avec moi. Donc, et justement, c'est ces règles d'origine que je vais expliquer les principes qui régissent ces règles d'origine pour que vous sachiez que vous réalisiez leur importance et que vous soyez capable de prendre vos décisions en fait en ce qui concerne vos stratégies d'exportation pour tel et tel marché. Et la meilleure façon d'utiliser les avantages donc, de chaque accord de libre-échange, c'est d'aller voir dans les règles d'origine, est-ce que mes produits sont conformes et est-ce que je peux bénéficier des avantages tarifaires. Donc, comme Geneviève l'a mentionné, la clé, c'est le code HS. Donc, le code HS, c'est ces petits numéros bizarres, là, 8201, 8202.10, 8202.20. C'est technique, mais c'est important pour les entreprises de bien comprendre comment ça fonctionne. Il y a des spécialistes qui vont pouvoir vous aider à gérer ça. Il y a aussi des courtiers en douane qui vont vous aider, mais c'est à vous, l'entreprise, c'est à vous, l'exportateur, d'être bien familier avec ça, parce que premièrement, c'est vous qui allez être responsable de la conformité, et également, c'est la bonne compréhension de la règle d'origine qui va vous permettre de prendre les bonnes décisions au niveau de vos approvisionnements. Donc, les règles d'origine sont souvent mal comprises des entreprises, donc ça, je le sais, je le vois, moi, au quotidien, lorsque je donne des formations en entreprise. Et c'est confirmé par plusieurs études que je voulais mentionner, que je voulais vous illustrer très brièvement ici. Vous voyez, par exemple, cette étude de KPMG Reuters qui trouve que 70% des entreprises interrogées n'utilisent pas complètement les accords de libre-échange. Et si vous regardez en bas à gauche, près de 80% disent « si je n'utilise pas les accords de libre-échange, c'est parce que les règles d'origine sont trop compliquées ». Et la documentation nécessaire est aussi trop complexe. Donc, c'est pour ça que je vais passer quelques minutes pour vous expliquer les principes fondamentaux et ensuite on ira voir dans les deux accords avec les pays asiatiques
on ira voir, je vous montrerai des exemples précis. Donc, il n'y a pas que KPMG qui dit ça, il y a une étude canadienne aussi de l'affaire mondiale qui parle de la même chose. Imaginez-vous, c'est surprenant, mais il y a même aussi des études japonaises qui ont été faites là-dessus. Donc, même des entreprises japonaises ont des difficultés à bien gérer les exigences des accords de libre-échange au niveau des règles d'origine. Et vous savez que les règles d'origine, c'est vraiment le nœud de l'accord de libre-échange lorsqu'on est un exportateur de produits, un exportateur de biens ou un importateur de biens et de produits. Donc, très brièvement, je vais vous mentionner, je vous parlais des principes. Geneviève y a déjà fait référence, mais je vais vous les expliquer très brièvement, peut-être d'une autre façon, pour que ce soit, que vous ayez bien toutes les clés. Donc, la règle d'origine, le principe fondamental, c'est le dernier pays de transformation. Donc, il faut toujours qu'un produit ait été transformé, que la dernière transformation ait eu lieu dans un des pays qui est signataire de l'accord, bien sûr. Mais les deux principes essentiels, c'est la teneur en valeur régionale, donc en anglais le regional value content, et le principe aussi du changement tarifaire. Donc le changement tarifaire, ce changement de code HS, ça provient de la transformation d'un produit. Et je vais vous montrer des exemples. Et oui, les règles d'origine, il n'y a pas une règle d'origine globale pour chaque accord, il y a des règles d'origine spécifiques aux produits, donc qui varient selon les produits, qui varient parfois très peu. Parfois, c'est juste des détails, mais c'est important de bien saisir tous ces détails-là. Et puis, l'exportateur doit produire un certificat d'origine pour passer les douanes, donc pour bénéficier des avantages tarifaires. Donc, ce que je voulais illustrer brièvement, c'est ce qu'on appelle le changement tarifaire donc, d'un produit. Et donc, le changement tarifaire, ça veut dire qu'on va pouvoir avoir des entrants, on va pouvoir importer des matières premières, des pièces, des composantes. En autant qu'on les transforme suffisamment, on va pouvoir les exporter et bénéficier des avantages tarifaires. Donc, par exemple, Geneviève a déjà parlé de Bécancour. Eh bien, j'utilise le même exemple. Donc, vous voyez, on fait un super travail d'équipe. Et je voulais vous montrer dans les détails les questions des codes HS. Donc, vous voyez, si vous êtes Rio Tinto à Bécancour ou Alcoa à cette île, vous allez importer de la bauxite, qui est la matière première essentielle pour faire de l'aluminium, et vous allez produire des lingots ou des feuilles d'aluminium. Et donc, l'essentiel, c'est que vous allez avoir transformé suffisamment la matière première pour que le produit puisse être considéré comme originaire. Et donc, comment on démontre ça au niveau douanier? En fait, on démontre ça avec le code HS. Donc, vous voyez, le code HS de la bauxite, c'est 260600. Et le code HS des feuilles ou des lingots d'aluminium, c'est 760110. Donc, comme il y a changement de code HS, qui est forcément la résultante d'un changement de produit, donc on est correct et nos lingots ou feuilles d'aluminium vont être qualifiés selon l'accord de libre-échange. Et donc, là où les détails sont super importants, c'est que si vous importiez, mettons, des lingots ou des feuilles d'aluminium pour manufacturer des portes et des fenêtres en aluminium, ce qui est quelque chose qu'on fait beaucoup au Québec, on a des belles entreprises qui font ça, qui font des fenêtres et des portes en aluminium, puis là, ça peut se compliquer. Pourquoi? Parce que le code HS n'est pas assez différent. Vous voyez, le code HS des feuilles d'aluminium, c'est 760610. Le code HS des fenêtres ou des portes en aluminium, c'est 761010. Les deux premiers chiffres sont les mêmes, donc ça veut dire que les produits sont dans le même chapitre du code HS. Donc là, pour certains accords de libre-échange, ça peut être correct. Pour d'autres accords de libre-échange, ça peut poser problème parce que chaque accord a des règles spécifiques particulières et la règle pour l'ACEUM ne va pas être la même que la règle pour le partenariat transpacifique ou pour l'accord avec la Corée. Elles peuvent être identiques, mais ce n'est pas obligatoire. Parfois, elles peuvent être très différentes. Le deuxième concept, le deuxième principe que je veux vous expliquer, auquel Geneviève a fait allusion aussi, c'est le fameux concept de la valeur régionale, la teneur en valeur régionale. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne considère pas seulement le contenu canadien. Donc, j'ai des entreprises parfois qui m'appellent, qui me demandent de valider que leurs produits rencontrent la règle d'origine pour l'ALENA, pour l'ACEUM. Et en fait, elle calcule le contenu canadien. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans le contexte de l'accord de libre-échange, on n'utilise pas seulement, on comptabilise pas seulement le contenu canadien, on comptabilise aussi le contenu des pays, des autres pays qui font partie de l'accord de libre-échange. Donc, par exemple, si vous êtes BRP à Valcourt, vous produisez des Sea-Doo ou des Ski-Doo, vous allez avoir un fort contenu canadien. Vous allez aussi avoir un contenu américain parce que vous avez des pièces qui viennent des États-Unis. Vous avez aussi des pièces qui viennent du Mexique. Il y a des produits européens. Les moteurs proviennent d'Autriche.
Il peut y avoir aussi des composantes chinoises, des composants qui viennent du Vietnam, de plein de pays. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire si on est BRP, qu'on exporte dans le cadre de l'ACEUM, par exemple? On va comptabiliser le contenu canadien, américain et mexicain, parce que c'est les trois pays qui font partie de l'accord. Si on exporte ces idoux en Allemagne, en Italie, en France, là, on va aller chercher le contenu régional dans le contexte de l'AECG du CETA. Donc, on va pas pouvoir comptabiliser le contenu américain ni le contenu mexicain. On va seulement pouvoir comptabiliser le contenu canadien, mais aussi le contenu autrichien et finlandais, parce que ces pays-là font partie de l'Union européenne. Et de même que si vous voulez exporter vos skidoo au Japon, eh bien là, vous allez considérer le contenu canadien et seulement, vous n'allez pas considérer le contenu américain, puisque les États-Unis ne font pas partie du partenariat transpacifique, mais vous allez pouvoir ajouter le contenu mexicain, parce que le Mexique fait partie du partenariat transpacifique, et vous allez pouvoir ajouter le contenu du Vietnam, s'il y en a, parce que le Vietnam fait partie du partenariat transpacifique. Donc, vous voyez, c'est comme ça qu'il faut voir la teneur en valeur régionale. C'est vraiment important de bien maîtriser ça. Ça change selon chaque pays, chaque accord, évidemment, et ça a un gros impact sur notre chaîne d'approvisionnement, sur nos choix stratégiques en approvisionnement, bien sûr. Et donc, comment on va certifier tout ça aussi, si jamais on a des contrôles douaniers? Il faut toujours être prêt à avoir une bonne traçabilité des documents, donc avoir un bill of materials qui va contenir tous les détails des intrants, leur valeur, leur code HS et leur origine. Donc, il faut vraiment bien travailler à la conformité douanière. Cette diapo n'est pas très importante, donc on est un petit peu en retard, donc je vais accélérer. Deuxième élément important, le certificat d'origine. Donc, l'exportateur, une fois qu'il a validé que ses produits rencontrent la règle d'origine, on produit un certificat d'origine. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chaque accord de libre-échange va avoir une formule différente. Donc, vous voyez, en haut à gauche, vous avez l'ancienne formule de l'ALENA, et à droite, vous avez la formule pour la Corée, et en bas à gauche, vous avez la formule à utiliser pour le partenariat transpacifique. Donc, chaque accord a une formule différente. Parfois, c'est une formule spécifique, donc par exemple, comme l'ancien certificat de NAFTA qui ressemble à ça, et que maintenant, on peut faire ça avec, parce qu'il n'existe plus, il a été remplacé, la formule a été changée. Donc, pour la Corée, c'est une formule spécifique. Pour le partenariat transpacifique, c'est une formulation spécifique, des éléments de données obligatoires qu'on peut inclure dans n'importe quel document. Donc, il n'y a pas de formule obligatoire pour le partenariat transpacifique. Il y a juste obligation d'avoir les éléments qui sont sur l'écran. Ça ressemble beaucoup, en fait, à la nouvelle formulation pour la CEUM. Qui est en vigueur depuis le 1er juillet l'année dernière, comme vous savez. Donc, l'autre chose importante que je voulais mentionner au niveau des certificats d'origine, c'est que ça engage la compagnie. Signer un certificat d'origine, il ne faut pas improviser ça. C'est un document légal qui engage la compagnie. C'est pas parce que... Donc, il faut vraiment faire la validation. Et souvent, ce n'est pas parce qu'un produit passe les douanes facilement que tout est correct. Par la suite, on peut se rendre compte qu'on a eu des problèmes ou qu'on n'a pas fait les bons calculs. Et c'est là que les douanes, parfois, vont venir a posteriori faire des vérifications chez vous, faire un audit. Donc, il faut bien être préparé à bien analyser la règle d'origine, bien documenter tout ça et avoir toute la traçabilité des documents qui vont vous permettre de prouver que oui, vous rencontrez bien les règles d'origine. Et donc, il faut bien penser à ça. Ça peut être fait de façon rétroactive. Et d'ailleurs, c'est de plus en plus fait de façon rétroactive. Les douanes ne vont pas bloquer votre envoi, mais ils vont venir vous voir 6 mois, 1 an, 2 ans plus tard et vous demander de prouver que vous avez tous les documents qui attestent que vous avez rencontré la règle d'origine. Et donc, quelques exemples pour illustrer le fait que dans chaque accord de libre-échange a des règles d'origine différentes. Donc, on a parlé un peu plus tôt, on a parlé de pâtisserie, de gâteaux, de biscuits. Donc, justement, je voulais illustrer les règles pour ce type de produit-là. Donc, si vous êtes la petite Bretonne à Blainville ou Biscuit Leclerc à Québec ou Bridor à Boucherville, eh bien, la règle d'origine de l'ALENA, de la CEUM, elle est en haut à gauche. Ça va être simplement un changement tarifaire, donc une transformation suffisante.
Et pour l'accord avec la Corée, la règle est exactement la même. Donc, on a simplement besoin de transformer suffisamment le produit. Donc, vous ne pouvez pas importer des biscuits et puis rajouter des brisures de chocolat et ensuite les réexporter. Mais vous pouvez importer la farine, le sucre, le cacao, le transformer, le mélanger, le faire cuire et ensuite réexporter. Vous êtes correct. Donc, entre la CEUM et la Corée, il y a une petite différence, c'est que la règle CEUM s'applique seulement aux produits qui entrent dans le 1905, alors que celle pour la Corée, c'est la même règle pour 1904 et 1905. Donc, 1904, c'est les produits à base de céréales. Donc, la règle est identique pour les produits de pâtisserie, viennoiserie, et les produits à base de céréales pour la Corée. Par contre, pour la CEUM, les règles pour les céréales vont être différentes. Et puis pour le partenariat transpacifique, vous voyez, il y a une toute petite différence dans le détail, mais en gros, c'est le même principe. Et donc, pour des produits manufacturés, pour beaucoup de produits manufacturés, les règles vont être différentes dans les détails. Donc, ici, je vous montre un exemple, excusez-moi, un exemple des produits ferroviaires, donc pièces, équipements ferroviaires. Donc, vous voyez, dans l'ALENA, il y a une règle de changement tarifaire. On voit à gauche, change of heading, change of subheading, mais il y a aussi une règle de pourcentage. Et donc, dans la CEUM, les pourcentages en général sont 60 et 50%. Donc, c'est 60% basé sur le prix de vente et 50% basé sur le coût du produit. Donc, c'est un petit peu différent. Et c'est en fait au choix de l'entreprise. Ce n'est pas les douanes qui imposent l'un ou l'autre. Il ne faut pas rencontrer les deux, il faut rencontrer un des deux. Et à ce moment-là, on est correct. Et par hasard, pour ce produit-là, vous voyez, dans l'accord avec la Corée, ben, il n'y a pas de complications, il n'y a pas de pourcentage à rencontrer. Il y a simplement un changement tarifaire, donc simplement une transformation. Et pour le PTP, c'est un tout petit peu plus complexe parce qu'on utilise des méthodes un peu différentes de calcul. Donc, on utilise le build-down method, le built-up method, qui revient un petit peu au même, mais pas exactement. Et donc, ce que je veux illustrer avec ça, on n'a pas le temps évidemment d'aller dans les détails précis, mais ce que je veux illustrer avec ça, c'est que chaque accord va avoir parfois des différences importantes et parfois des différences minimes. Donc, il faut toujours, faut toujours prêter bien attention aux détails et savoir bien interpréter ces règles d'origine-là. Donc, d'une façon générale, ce qu'on peut dire, c'est que l'accord, si on met la CEUM comme notre règle de base, on peut dire qu'avec la Corée, c'est un peu plus difficile parce que les pourcentages en général sont plus élevés. En général, pour la Corée, c'est 55 et 65% pour beaucoup de produits, mais pour certains produits, les règles sont plus simples. Et si on compare avec le partenariat transpacifique, en général, le partenariat transpacifique à ce niveau-là est plus facile, parce qu'on a besoin de moins de contenu régional. C'est d'ailleurs pour ça que le partenariat transpacifique a été critiqué par beaucoup au départ. Parce que, par exemple, si vous êtes Toyota, vous n'avez besoin d'avoir que 40% de produits de composantes japonaises pour pouvoir. Donc, vous pourriez avoir 60% de composantes chinoises ou 59% de composantes chinoises et être qualifié pour le partenariat transpacifique. Donc, d'une façon générale, le partenariat transpacifique est plus facile au niveau des pourcentages à en rencontrer. Donc, c'est ce que je voulais dire ce matin pour illustrer les différences qui existent entre chaque accord. Et il faut vraiment porter attention aux détails. Et donc, pour terminer, je voulais partager très brièvement parler des différences entre le marché nord-américain et les marchés asiatiques. Donc, il faut être bien informé lorsqu'on est un nouvel exportateur, lorsqu'on exporte seulement aux États et que tout d'un coup, on veut diversifier nos marchés, on s'intéresse aux marchés asiatiques ou européens ou autres. Il faut être bien au courant des outils qui sont disponibles, de nos obligations, des règlements au niveau de la logistique, au niveau des questions d'assurance risque, assurance cargo, exportation, importation temporaire. Il faut savoir que, par exemple, les matériaux d'emballage en bois qu'on utilise lorsqu'on exporte, des caisses, des palettes, etc., il y a des règles spécifiques, il faut utiliser du bois traité. Pourquoi j'en parle de ça? Parce que pour les États-Unis, on a une exemption. On n'a pas d'obligation d'utiliser du bois traité quand on exporte aux États. Par contre, quand on exporte en Asie ou ailleurs, outre-mer, on doit utiliser du bois traité. Donc, ça fait partie des choses à bien connaître. Et puis, dernier point, je sais qu'on est un petit peu en retard sur l'horaire, je suis désolé. Donc, c'est mon dernier point. Il faut savoir que
quand on exporte aux États, qui est notre principal marché d'exportation, on est très souvent un importateur non résident. Hein. On vend avec les termes de référence, c'est FOB destination, ça veut dire qu'on est responsable du dédouanement aux États, on est responsable, on s'occupe de tout. Donc, c'est très pratique pour les États. C'est conforme à des lois américaines qu'on appelle le Uniform Commercial Code. Donc, il faut savoir que quand on exporte, quand on veut exporter ailleurs qu'aux États-Unis, quand on veut exporter en Asie, par exemple, ça, c'est des termes qu'on ne peut pas utiliser parce que c'est des termes typiquement américains. Donc, il faut être familier avec les incoterms, qui sont les termes de référence internationaux pour le commerce international. Et il faut savoir aussi que dans les pays, en Corée, dans les pays du partenariat transpacifique, on ne peut pas être un importateur non résident. Donc, c'est un outil qui n'est pas à notre disposition. Il faut, pour faire de l'importation dans ces pays-là, il faut être une compagnie locale. L'exception, c'est l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Donc, pensez aux incoterms, c'est important. Et justement, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain pense à vous, puisque elle prévoit une formation sur les incoterms au début décembre. Donc, c'est ça que je voulais partager avec vous en dernier. Donc, qu'est-ce que ça nous permet, justement, les incoterms? Ça nous permet de pas avoir, de bien communiquer avec nos clients, quelle que soit la langue, quel que soit le pays. Les incoterms, c'est des règles uniformes qui définissent les responsabilités du vendeur et de l'acheteur. Donc, c'est un outil très important à maîtriser. Et là-dessus, je vous remercie pour votre attention. Je suis désolé d'avoir débordé un petit peu sur l'horaire. Et je vous souhaite beaucoup de succès dans votre développement avec ces pays-là. Et je suis à votre disposition, évidemment, si vous avez des questions, si le temps le permet. Merci pour votre attention et bonne chance à tout le monde. Merci Christian pour cette présentation combien utile pour nous. Christian Civière de Solimpex. Christian, demeurez avec nous. Nous aurons une période de questions dans quelques minutes et certainement des questions pour vous. Mesdames et messieurs, nous vous invitons maintenant à demeurer parmi nous pour la dernière partie du webinaire. Dernière partie, non la moindre, alors que nous accueillons un panel d'entreprises québécoises très actives en Asie. Nous avons invité les entreprises dans quatre secteurs différents pour mieux comparer et pour rejoindre une plus grande sphère d'intérêt en tant que tel. Alors, il y a des entreprises dans les produits agroalimentaires, dans la fabrication de matériel d'emballage, dans les produits de consommation haut de gamme et dans les produits du bois. D'entrée de jeu, notre but n'est pas seulement de comprendre l'impact des accords commerciaux, mais aussi, et sinon plus, de comprendre leur réelle importance relativement à d'autres obstacles ou défis dans le développement de projets en Asie. Alors, si vous permettez, dans un premier temps, nous allons inviter chacun de nos entrepreneurs à nous présenter brièvement leur parcours en Asie. Alors, je demande à chacun de vous de prendre 2 à 3 minutes pour nous présenter l'entreprise et le produit, votre premier marché ou principal marché en Asie, l'essentiel de votre modèle d'affaires et un peu le nombre d'années que cela a pris pour y arriver. Alors, très succinctement, 2 à 3 minutes. Je vous demande de m'excuser évidemment à l'avance si je dois vous interrompre. Je commence par vous, M. Kangelosi, de l'entreprise Citadel. Alors, bonjour, merci pour les présentations. Alors, moi, c'est Jean-Damien Kangelosi, je travaille pour Citadel, donc coopérative de producteurs d'érable, de miel et aussi de canneberge. Donc, pour ceux qui connaissent la coopérative, on est une entreprise d'un peu plus de 200 employés au Québec et au Nouveau-Brunswick, d'accord? Et puis, on exporte présentement dans 55 pays, d'accord? Puis, moi, je m'occupe de la portion donc exportation pour Citadel en tant que directeur des exportations. Le seul pays que je ne couvre pas, c'est le Japon, parce qu'on a un collègue beaucoup plus compétent que moi sur la culture japonaise. Donc, il faut savoir admettre ses petites faiblesses. Donc, voilà, grosso modo, en Asie, je m'occupe, bien évidemment, de nos chers amis chinois, l'Asie du Sud-Est, l'Océanie aussi. En ce qui concerne le partenariat transpacifique, je rentrerai peut-être un peu plus dans le détail. Après, on fait donc affaire avec le Vietnam, la Corée du Sud, bien évidemment le Japon, mais ce n'est pas moi qui le couvre. Certains autres pays d'Asie du Sud-Est. J'ai très hâte de voir la Malaisie rentrer dans le partenariat parce que je pense que c'est un pays avec
des ressources incroyables, autant pour le Canada que pour nous, les exportateurs, puis une population intéressante. Il y a d'autres certifications à faire pour ce pays-là, notamment avec l'islam, par rapport au halal, notamment. Donc voilà, ça fait un petit peu le tour de ce que je fais. Puis je décrirai un petit peu plus notre expérience au Vietnam quand ce sera mon tour. Donc, je laisse la parole au prochain. Merci, M. Kangalazi. J'invite maintenant M. Hood de l'entreprise Emballage Saint-Jean à nous témoigner de leur présence en Asie et de leur modèle d'affaires qui est très particulier en ce cas-ci, puisqu'on parle de chaîne d'approvisionnement. Bonjour, mon nom est Frédéric Hull de la compagnie Emballage Saint-Jean. Donc, Emballage Saint-Jean, on est un manufacturier d'emballage flexible pour le domaine alimentaire et les biens de consommation. On est en opération depuis plus de 65 ans. On opère un peu partout dans le monde. Donc, on opère dans 6 pays. On a des plans de production au Canada, aux États-Unis, au Mexique, en Chine, au Vietnam et en Angleterre. Donc, notre modèle d'affaires, nous, c'est en fin de compte, c'est essentiellement pour de l'importation qu'on utilise l'Asie. Donc, on fabrique en Asie et on réimporte ici en Amérique du Nord. On a plus ou moins 250 employés en Asie, donc répartis entre la Chine et le Vietnam. On est en Chine depuis 2005 et au Vietnam depuis 2018. Donc, c'est des filiales qu'on opère à 100%. On a construit les usines nous-mêmes et donc on opère des opérations là-bas. Donc, ça va relativement bien et on utilise définitivement les accords de libre-échange ou du moins le tarif préférentiel pour nous différencier de nos compétiteurs qui sont essentiellement, américains. Merci. Monsieur Chagnon de l'entreprise Anne-Marie Chagnon, très intéressante entreprise, là, connue évidemment dans les milieux, je dirais même au-delà des milieux économiques. Votre succès en Asie est intéressant. Comment vous nous l'introduisez? Oui, bonjour tout le monde. Merci de m'avoir invité. Donc, je suis David Chagnon, directeur général des bijoux Anne-Marie Chagnon. Anne-Marie Chagnon est la créatrice des bijoux qui a commencé à faire des bijoux il y a 25 ans. C'est ma sœur. Notre modèle d'affaires, nous, c'est de vendre auprès de détaillants indépendants. Ces détaillants-là ne sont pas dans la meilleure posture en ce moment depuis le COVID, mais on en a partout au Canada, aux États-Unis. On exporte dans une dizaine de pays. C'est vraiment un modèle de fabrication locale. J'entendais Christian tantôt parler des règles. Nous, c'est 5% de notre approvisionnement qui provient de l'extérieur du Canada. Donc, on est vraiment un produit fabriqué au Canada. Et notre expérience avec l'exportation, c'est le Japon, qui est un pays où on a une présence depuis 9 ans maintenant. Puis, on a le vent dans les voiles dernièrement par l'ouverture d'une boutique permanente au Takashimaya et ainsi de suite. Donc, c'est de ça que je vais parler un peu plus tard tantôt. Merci. Maintenant, M. Montigny, permettez-moi de dire, M. Montigny, que vous êtes un vieux routier ici, du domaine. Tout le monde semble vous connaître dans l'industrie du bois et des scieries de l'entreprise Bois Pelado. Comment pouvez-vous nous introduire en 2 minutes votre expérience en Asie? Bonjour tout le monde. Merci de l'invitation, vous êtes bien gentil. On m'a demandé le QA, je fais partie du comité d'administration de la promotion du bois du Québec et pour les membres feuillus. Et on m'a demandé de faire une courte présentation puis de les représenter tout simplement à votre webinaire. Je travaille pour Bois Pelado. Ça fait 25 ans d'expérience dans le domaine du bois franc, dont 17 chez Bois Pelado. Évidemment, nous, on fait à peu près peut-être 20 pays dans le monde où on fait de l'exportation. Je dirais que peut-être 10 de ces pays-là font partie du programme du PTP-GP. Par contre, si je regarde la plus grosse portion de notre chiffre d'affaires à l'exportation, c'est la Chine qui ne faut pas passer encore de cette entente. Je pense que les contraintes que nous, on doit vivre, étant donné que les accords commerciaux ne favorisent pas le bois feuillu dans les marchés où on va, je pense qu'on se doit de travailler sur la qualité des bois que l'on exporte, parce que les coûts de transport, le taux de change sont tous des facteurs qui influencent le prix et majoritairement, les utilisateurs à qui on vend, ce sont des importateurs qui, eux, revendent aux utilisateurs. Donc, on n'a pas vraiment de conversation au niveau des ententes commerciales, si ça les favorise ou pas. Je donne un exemple précis. Si je regarde le Maroc, il y a plusieurs années, il y avait une entente avec l'Europe et les États-Unis. Il n'y avait aucune entente avec le Canada. Donc,
Si on était en mesure de vendre au Maroc, c'est parce qu'on avait une qualité de bois et un prix qui était plus compétitif que les autres. Alors, ça, c'est pas mal un résumé, un tour d'horizon, quoi. Merci beaucoup, messieurs, de tenir le temps. Dans un deuxième temps, on va faire un autre tour de roue cette fois-ci pour parler de l'importance relative des accords commerciaux. Alors, c'est pas seulement ce que ça amène, mais c'est jusqu'à quel point ça amène des avantages, que ce soit l'élimination des tarifs ou des autres avantages. On a eu quelques conversations avec chacun de vous. Les expériences sont assez diversifiées. Alors, jusqu'à quel point cette élimination de tarifs ou des autres avantages a pu aider la pénétration de votre entreprise, la compétitivité en Asie? Et je commencerai par vous, M. Chagnon, pour changer la dynamique d'échange. Merci. La façon dont on est structuré au Japon, c'est un distributeur qui achète nos produits. Puis dans notre structure, c'est le distributeur qui est en charge de payer tous les frais de douane. Ce n'est pas des frais si élevés dans notre secteur. Je compare aux gens du textile, de la mode, là, nos collègues dans le domaine. Eux, c'était 19-20. Dans notre cas, c'était 3,7. Donc, ça n'a pas un impact si majeur, mais ça a un impact quand même. Et donc, on a travaillé très fort à développer, à prendre avantage de ça. Ça n'a pas été facile. Ça demandait beaucoup d'efforts de notre organisation. Encore une fois, je fais référence aux présentations d'avant. Il y a beaucoup de choses à respecter. D'une part, le fait qu'il n'y avait pas un document spécifique pour cet accord-là, quelque chose, je dirais, de conforme que tout le monde pouvait reconnaître, ça, c'était un enjeu. L'Asie fonctionne avec beaucoup de documents officiels. On a créé donc le document qui contenait toutes les informations nécessaires. On a ajouté des tampons, on a ajouté des signatures officielles. On a mis ça le plus officiel possible. Notre distributeur allait à son bureau de douane, négociait. Après, trois tentatives, trois documents différents, on a réussi à prendre avantage. Sur le plan commercial, ça donne 3,7 de plus dans ses poches. Est-ce que c'est beaucoup? Je répète, c'est pas matériel, mais ça lui a permis de prendre cet argent-là puis de l'investir ailleurs. C'est probablement une des choses qui nous a permis là, d'avoir des progrès intéressants dernièrement. Merci pour ce commentaire. Monsieur Hull, je comprends que votre décision d'implanter une unité au Vietnam est grandement liée aussi au fait que le Vietnam a joint les pays signataires de l'accord du Trans-Pacifique. Est-ce que c'est un peu ça qu'on peut dire? Ah, définitivement, notre décision là, d'aller au Vietnam a été teintée effectivement là, du fait que le Vietnam allait se rejoindre à cet accord-là. Puis c'est sûr et certain aussi, on est quand même là, en Asie, on était essentiellement en Chine, on voulait aussi diversifier enfin, aussi notre risque, autant le risque d'affaires, le risque politique, tout ça. Donc, on croyait que le Vietnam était une bonne place pour s'implanter. Puis peut-être là, comme mon collègue, M. Chagnon, nous, nos compétiteurs sont américains. Donc, étant donné que les Américains, pour l'instant, ne font pas partie de ça, de cet accord-là, on sauve à peu près 4,5 à 5. Donc, on a un petit edge compétitif de ce côté-là. Concernant les enjeux au niveau de l'importation, parce que nous, c'est essentiellement de l'importation de ces pays-là, on fait affaire avec des courtiers en douane. Puis le process a été relativement facile. Je ne sais pas qu'au départ, on n'a pas fait des hit and miss, mais de façon générale, je crois qu'au niveau de l'importation, puis étant donné qu'on a un produit relativement standard, ça a été relativement facile à être implanté. Je dirais peut-être le dernier point que je voudrais souligner. Aussi, une des raisons pourquoi on considère l'Asie aussi, c'est que nous, dans nos marchés, il y a des intrants dans notre production aussi, que les prix sont très différents de l'Amérique du Nord. Il y a des forces commerciales, politiques qui font que certains de nos intrants sont beaucoup plus compétitifs en Asie, ce qui fait que ça devient plus rentable de produire certains produits en Asie et même payer l'extra de l'importation. C'est sûr et certain que présentement, les enjeux de logistique, les coûts de container brûlent beaucoup de cet avantage-là, mais avant, les enjeux de logistique, c'était beaucoup plus profitable de produire en Asie, étant donné l'espèce d'arbitrage au niveau des matières premières là, qui est l'Asie versus l'Amérique du Nord. Bon point, merci. On parle de containers, de transport. Je pense que M. Montigny, c'est un langage que vous connaissez bien.
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à l'importance relative des coûts de transport versus les accords commerciaux, là? Bien, dans le premier temps, je voudrais vous dire qu'on a deux séries, une aux États-Unis et une au Québec, et majoritairement, le bois qui provient des États-Unis, qui est séché ici au Canada, à Laval, à nos entrepôts, est exporté. Donc, majoritairement, c'est du bois qui vient des États-Unis. Par contre, le certificat d'origine est canadien, donc parce que la transformation secondaire qui était faite sur le bois est ici. C'est sûr que le coût de transport est un gros facteur parce qu'on regarde les Américains, on peut aisément comparer qu'on paye plus ou moins 50 % de plus de transport qu'eux. Et en plus, on a un coût de taux de change qui peut varier de 4, 5, 6 % c'est un élément qui est important à planifier dans la vente de nos produits. Et bon, mais pour revenir à ce que M. Chagnon disait, le Vietnam, pour nous, a été quand même un pays qu'on a regardé attentivement il y a peut-être 4 ans passés, parce que la tournure des événements fait en sorte que la Chine, maintenant, qui était pas celui-là il y a 25 ans passés, la plaque tournante où les gens, les Américains ont fermé des usines aux États-Unis pour s'en aller là-bas, pour s'implanter là-bas parce que c'était plus compétitif, devient de moins en moins compétitif à cause des taux, le coût de main-d'œuvre qui augmente. Et le Vietnam devient ce que la Chine était 25 ans passés, donc ce n'était pas à dédaigner regarder ce côté-là. Par contre, nous, on a quelqu'un qui est là-bas pour nous représenter. Présentement, comme je dis, les accords commerciaux n'ont pas eu aucun impact sur la business que l'on fait là-bas. Par contre, on espère qu'un jour, ça va arriver jusqu'à là, que ça va donner un edge aux importateurs avec qui on fait affaire pour grossir notre chiffre d'affaires et puis, réussir à faire ce qu'on fait de mieux, exporter notre qualité de bois. Très bien. Merci. Alors, M. Kangalouzi, Citadel est un produit quand même de haut de gamme dans certains des marchés comme le Japon. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire au niveau de l'importance de ces tarifs Alors, il y a deux exemples qui me viennent en tête. C'est le premier, c'est la Corée du Sud, en fait, qu'on avait des clients historiques depuis des dizaines d'années là-bas pour le sirop d'érable, où je pense que les clients, comme disait M. Chagnon, ont sauvé de l'argent, fait que ça a évité bien des discussions sur des augmentations de prix, etc., du style, écoute, il faut que je t'augmente de 1, 2, 3 %. Ah, je pense qu'on a l'audio qui... Votre écran a gelé, M. Kangalouzi. On vous a perdu. Un espèce de gain. Donc, à ce niveau-là, c'était ça. Le deuxième exemple, je pense que ça nous a permis la réduction de ces tarifs douaniers pour le Vietnam. Ça nous a permis d'ouvrir un client dans la canneberge. Donc, ça, c'était mystérieux. On n'avait jamais fait affaire au Vietnam chez Citadel. Donc, puis on pensait que ça allait être plus le sirop. Puis finalement, non, c'est parti, premier client, canneberge. Et la cliente nous a dit, elle a dit, c'est clair, il n'y a plus de tarifs douaniers, donc ça, c'est intéressant financièrement pour elle. Elle allait se charger, bien évidemment, du dédouanement, de la paperasse, etc. Donc, nous, on a envoyé les premières palettes par avion, parce que à la demande du client, donc très, très, très dispendieux quand c'est des grosses palettes. Elle en avait pris 10 en plus, donc ça prenait une bonne partie de l'avion. Et on s'est heurté justement à ce que disait M. Chagnon aussi, la paperasse qui n'est pas très, très bien structurée en ce moment. Les douanes vietnamiennes, au tout début, se fiaient au certificat d'origine australien. Donc, ils m'ont demandé, fais-moi un certificat d'origine australien. Mais je suis canadien, il y a quelque chose de pas logique là-dedans. Et moi, je ne veux pas falsifier un document d'un autre pays. Donc là, on s'est entendu, on a fait des essais-erreurs 3-4 fois justement, pour finalement se retrouver à avoir un copier-coller de ce que les Australiens font, parce que le Canada n'a pas émis de documents étampés Canada à ce niveau-là. Et puis pourtant, on l'a pour d'autres pays, pour le NAFTA, etc. Donc, il y a eu ce problème-là. Il y a eu aussi, bien évidemment, tout ce qui est les tampons. Eux voulaient absolument que ce soit une chambre de commerce, alors que nous, on a quelqu'un à l'interne qui est commissaire à la sermentation. Donc, c'est exactement pareil. C'est le même tampon. Mais il ne fallait pas que ça vienne de quelqu'un de chez nous. Mais c'est même pas marqué que c'est une personne de Citadel. Donc, vous voyez, les douanes sont un petit peu comme... Ils ne savent pas trop dans quoi ils naviguent. Nous non plus. Fait que c'est pas mal essai-erreur. Puis, je vais dire le mot du monde n'aime pas, mais je soupçonne un petit saupoudré de corruption à quelque part pour dire que le document ne marchait pas. Donc,
ma cliente là-bas était comme un peu embêtée de m'en parler, mais elle m'a dit j'ai eu comme des frais bizarres, tu sais, sur la première importation. Donc, je pense que malheureusement, elle s'est un peu fait avoir, mais tu veux pas que tes palettes restent pendant 12 jours à l'aéroport. Tu sais, ça va te coûter plus cher. Puis c'est leur réalité. Moi, j'embarque pas là-dedans. Ma responsabilité s'arrête quand le bien touche le sol. À partir du moment où l'avion est posé, où le bateau est arrivé au port, c'est fini. Donc, on n'embarque pas dans toutes ces histoires locales, on va dire. Puis, je pense que les compagnies doivent faire attention à ce qu'ils font là, d'un point de vue. Laisse aux gens du pays la responsabilité de gérer avec leurs propres administrations. Sinon, ça pourrait être extrêmement compliqué. Mais ça, c'est peu importe, accord de libre-échange ou pas, c'est une vérité absolue en exportation et en importation. Donc, c'est pas mal ça. Mais globalement, je dirais que ça, un accord de libre-échange ne peut pas faire de mal. Bien au contraire, ça ouvre des portes, c'est du relationship. Puis, c'est tant mieux pour le Canada. Puis, j'ai hâte aux autres pays qui vont suivre dans pas longtemps. Monsieur Kangalosi, je pense que votre audio a sauté lorsque vous avez abordé la Corée du Sud. Pouvez-vous, en quelques secondes, nous... Ah ben en fait, la Corée du Sud, je disais simplement que mes partenaires, ayant eu un rabais sur, en fait, sur les tarifs d'importation, ne nous ont pas, on va dire, écœurés quand on a fait une augmentation de prix, parce qu'ils savaient qu'ils avaient sauvé un montant substantiel. Et l'objectif, ce n'était pas de les augmenter pour les augmenter parce qu'ils avaient un saving à quelque part. Mais vous voyez, ça arrivait au même moment. Donc, ça les a aidés. Ça nous a aidés aussi à leur parler de choses qu'on n'aime pas, les augmentations de prix. Mais je pense qu'au final, tout le monde a gagné. Puis la relation va de mieux en mieux depuis. Donc, ce n'est pas juste ça, mais ça en fait partie, c'est certain. Bien, merci. Merci. Écoutez, on arrive un peu à la fin. Notre programme était peut-être trop chargé ce matin. Alors, je vais vous remercier tout le monde. Merci M. Montigny de Bois-Pelado, M. Kangalosi de Citadel, Produits Citadel, David Chagnon de Bijoux Anne-Marie Chagnon et Frédéric Hull, vice-président à Emballage Saint-Jean. Merci beaucoup pour votre collaboration au nom de Investissement Québec et de nos équipes en Asie et à Montréal. Sur ce, je cède la parole à notre partenaire, la Chambre de commerce. Merci à tous pour cette présentation. Merci à tous les conférenciers aussi, puis à tous les participants d'être restés avec nous jusqu'à la fin. C'était vraiment très intéressant. Je pense que vous avez tous partagé du contenu aussi bien enrichissant que pertinent pour nos entreprises. Donc, je souhaite une nouvelle fois remercier nos partenaires, en commençant par Investissement Québec International, ainsi que Développement économique Canada pour son soutien à nos activités. Donc, j'aimerais juste vous mentionner qu'à la fin du webinaire, vous allez recevoir deux courriels. Donc, un courriel avec un petit sondage de satisfaction. On vous invite fortement à le remplir. Et également, vous allez recevoir un second courriel comprenant la présentation de Madame Goujon. Donc, un grand merci à tous les participants et aux conférenciers. Puis, je vous souhaite tous une excellente journée. Au revoir.